Laboratoire Expansions adopted a voluntary corporate social responsibility policy in 2004. With regard to its products, Expansion set an ambitious goal in 2010. All new dermo-cosmetic products will be eco-designed by the year 2015. The eco-design approach consists in reducing the environmental impacts of products at each stage of their life cycle. Let's take a closer look at eco-design packaging. Nos packagings sont conçus avec la même rigueur et les mêmes exigences que nos formules. Nous veillons à assurer une parfaite protection de nos soins et depuis 2006, nous veillons à diminuer leur impact sur l'environnement. Nous avons obtenu du COTREP l'avis favorable pour que nos flacons Mustela bébé puissent passer dans le flux standard de recyclage des déchets. Ce qui signifie pour nos consommateurs qu'ils peuvent jeter les flacons Mustela bébé en l'état dans les poubelles jaunes sans en dissocier les différents éléments constitutifs. Notre politique en matière de gestion des emballages s'inscrit dans une démarche plus globale menée par les laboratoires Expansions, les 3 R, réduire, remplacer et recycler. Expansion's best practices concerning eco-design packaging are also applied to the overall design of our products. Expansion is therefore gradually endeavoring to reduce the overall packaging weight of its cosmetic and pharmaceutical products, eliminate secondary packaging that is not in direct contact with the product without affecting the message delivered to the consumer, use PEFC or FSC certified cardboard from sustainably managed forest for outer cases and print them with vegetable oil-based inks, eliminate all information leaflets for cosmetic products and print information on both sides of the outer cases if they are retained. Gradually incorporate recycled materials while ensuring that the supply chain is reliable in terms of quality. Reduce the quantity of cardboard used for the storage and transport of products to decrease greenhouse gas emissions. Prenons l'exemple concret d'un produit que nous avons retravaillé sur plusieurs axes pour répondre à cette démarche d'éco-conception. Il s'agit de l'huile de bain Stellatopia de Mustela Dermopédiatrie. Le flacon utilisé, de même que les étiquettes, contiennent respectivement 25% et 50% de matière recyclée. Le bouchon a été changé avec un gain de 10% de matière plastique. La notice a été retirée au profit d'une impression recto-verso de l'étui. Enfin, dans un carton, nous avons mis 48 produits au lieu des 24 initialement. Nos efforts ont été récompensés puisque sur les 5 dernières années, nous avons économisé 99,5 tonnes de carton et papier et 40,5 tonnes de matière plastique. En 2008, nous avons réduit le grammage de nos notices pharmaceutiques de près de 30%. En 2010, nous avons réduit le poids de notre flacon Mustela bébé 750 ml, c'est-à-dire le grand format, de 13%. Et plus récemment, en 2011, nous avons réduit de plus de 10% le grammage de nos lingettes dermo-apaisantes Mustela bébé. Since 2006, Laboratoire Expansions have made substantial progress in reducing the environmental impact of their packaging, as well as in the overall eco-design of their products. Eco-design is a pragmatic process of continuous improvement. Expansions is working actively to ensure that 100% of its dermo-cosmetic products are eco-designed by the year 2015, while ensuring, of course, that they are totally safe and harmless.